C'est pour toi, Seigneur, que nous sommes là. Et nous demandons que ton esprit puisse avoir toute la liberté d'agir dans la partie la plus profonde de notre être, dans notre esprit humain, mais également dans notre âme, pour que nous puissions cerner ta pensée pour nous. Bénis-nous, Seigneur. Nous assujettissons toutes les puissances des ténèbres qui essayent de se liguer contre le ministère de la parole. Nous déclarons leurs œuvres nulles et de nul effet au nom de Jésus. Amen. Amen. Bien. Je suis là cet après-midi pour avoir avec vous l'occasion de lire les Écritures et de permettre au Saint-Esprit de nous instruire. Ce que je vais dire ce soir pourra sembler étrange pour certains. Le titre du message, c'est « Le bois d'acacia ». Le bois d'acacia. Et puis vous mettez deux points. Un type de consécration à vie. Le bois d'acacia, un type de consécration à vie. Bien, pour ceux qui s'intéressent un peu à quoi, la botanique, l'acacia, on le trouve au Moyen-Orient, on le trouve un peu partout hein, sur la face de la terre. Il y en a même au Sénégal, il y en a ici au Togo aussi. D'accord? Dans le désert du Néguev, vous avez aussi l'acacia. Et maintenant, la question est, qu'est-ce que l'acacia veut faire dans l'église? L'acacia a joué un rôle déterminant dans la rencontre que Dieu a eu avec son peuple dans le désert. Donc l'acacia pousse dans les zones semi-arides, ça produit de l'ombre pour les hommes comme pour les animaux. C'est-à-dire dans le désert, c'est pas un endroit où il faut souhaiter vivre, parce que là il fait excessivement chaud le jour et il fait excessivement froid la nuit. Donc, pour ceux qui s'intéressent à la Bible, c'est pour cela que dans le désert, le jour, la gloire de Dieu faisait de l'ombre au peuple. Et la nuit, ça se transforme en feu, pour qu'ils ne meurent pas de froid, et en même temps, pour repousser les bêtes sauvages. D'accord? Vous voyez l'intelligence de Dieu, non? Il est éminemment intelligent. D'accord? Très bien. Dans ce que j'ai pu comprendre sur l'acacia, c'est que cela produit de la nourriture aux animaux, mais ça a la capacité de fixer l'azote et de permettre à d'autres plantes de vivre dans son environnement. Si je dois laisser tout le reste du message et m'arrêter sur ça, la question que je vais me poser, c'est, depuis que tu as donné ta vie à Jésus, est-ce qu'il y a des gens qui ont pu entrer dans le royaume parce que tu es dans le royaume? Ça, c'est juste une question. Bien, ce bois entre dans la combustion. Hein, on peut s'en servir comme bois de chauffe. Tout cela que je dis, vous êtes, mais qu'est-ce qu'il y a de spirituel dans ça? Tout le monde est assis ici. Si vous êtes venu d'un village, c'est le bois de chauffe. C'est à l'objet que vous avez trouvé gaz. N'est-ce pas? Hein? Il t'est une fois arrivé de t'abaisser, de souffler. Vous avez fait ça, non? Oui. Alors, si tu ne sais pas faire, tu vas t'essouffler en soufflant et tu n'auras aucun résultat. Mais quand les frères même arrivent, c'est en quelques secondes là, ça dit voilà. Cette vie aussi est pleine d'enseignements. D'accord? Donc, quand vous lisez l'histoire des enfants d'Israël, ne pensez pas que dans le désert ils avaient des vaches, tout ça, c'était des gens primitifs. D'accord? Et Dieu a travaillé avec nous. Maintenant, nous, on est civilisés, très modèles.
virtuel, mais on n'est pas spirituel. C'est le problème qu'on a aujourd'hui. D'accord? Si je vous demande là, tout à l'heure, quand on priait, qui a vu un ange ici? Vous êtes quoi? Que non, quand moi j'ai fermé les yeux, tout est noir autour de moi. Tu es un homme naturel, ça. Mais les hommes spirituels, parfois, tu ne fermes même pas les yeux et tu vois. Ou quand tu fermes, tu vois. Maintenant, si tu ne vois pas, on va aller chez un opticien ou un ophtalmo. Jésus a dit, viens demander, et je vais te donner du colis. Tu vas oindre les yeux et tu vas voir ce que voient les gens du royaume. Et on se servait aussi, à l'époque, on utilisait les navires. Vous savez, les navires au début, ce n'était pas fait à partir de des métaux. D'accord? Le coq et autres là, c'était avec du bois. Et il faut un bois spécial. Et dans la membrure de ces navires-là, l'acacia joue un rôle vraiment important. Ça, c'est ce que je peux vous dire sur l'acacia. Quand vous allez rentrer, je sais que vous irez chercher d'autres choses sur l'acacia. Maintenant, ce que je vais vous dire maintenant, Google ne va pas vous dire ça. Le premier point de l'enseignement, c'est la révélation du projet souverain de l'Éternel. Dieu est esprit. Et pour qu'il puisse entrer en contact avec l'homme, il doit se révéler. Pour qu'il puisse expliquer ce qu'il a à cœur, il doit révéler. Donc, il se révèle et il révèle. Il se révèle en tant que personne et il révèle sa pensée. D'accord? Et on va lire dans le livre de l'Exode chapitre 25. N'oubliez pas que quand Dieu avait rencontré Moïse sur la montagne, il lui avait dit, tu retournes en Égypte, tu vas faire sortir mon peuple et tu l'amènes sur cette montagne. C'était le contrat que Moïse avait avec Dieu, n'est-ce pas? Et il a réussi. Il a amené le peuple dans le désert, Exode 19, et Dieu lui dit, ok, comme tu as réussi, le peuple est sorti de l'Égypte. Ils ont passé des générations à ne voir autour d'eux que des dieux, des divinités de l'Égypte. Ils savent par qui je suis. Ils ont entendu dire que leur ancêtre s'appelait Abraham, mais ils ne connaissaient pas le Dieu de leur ancêtre. Donc aujourd'hui, je vais leur montrer qui je suis. Donc, dis-leur de se préparer. Le troisième jour, je vais venir pour leur souhaiter la bienvenue. Donc, le troisième jour, Dieu est venu. Ça veut dire qu'il est entré dans notre espace. D'accord? Il est venu ici. Lorsqu'une pierre se détache dans le cosmos et veut rentrer dans notre atmosphère ici, ça prend feu, n'est-ce pas? N'est-ce pas? À cause des éléments chimiques et tout le reste. Mais pour Dieu, de par sa nature, il est feu. Et donc, c'est tout à fait normal qu'il soit feu. Ça ne le dérange pas d'être feu. D'accord? Donc, quand il est venu sur la montagne, pour signaler sa présence, il y a des tonnerres, il y a des tremblements, la tête tremblait. Les gens n'ont jamais expérimenté des choses comme ça. Vous ne pouvez pas comparer le Dieu Tout-Puissant au Dieu de votre village. Quand on parle de Jésus là, vous ne pouvez pas mettre les petits sorciers de votre famille à côté de Jésus. C'est impossible. C'est pour cela que quand quelqu'un dit qu'il est chrétien et qu'il dit, frère, je suis converti. Mais, c'est que tu ne connais pas mon grand-père. Hein? Il prononce des choses, ton grand-père ne tiendra pas une seconde quand on mentionne le nom de Jésus. Amen. Parce que Jésus, il n'est pas un Dieu parmi les dieux. C'est le Seigneur. En grec, on dit Hokurios, le Seigneur. Il n'est pas un Seigneur. Donc, il s'impose à toute pensée d'être humain et d'esprit. Donc, si vous ne le connaissez pas comme ça, vous serez dans l'église, mais vous allez encore trembler parce que vous pensez aux choses du village. D'accord? Si je suis ici maintenant, et que je localise votre village, si je dis des choses tout de suite là, l'idole qui est à l'entrée de votre village va cesser de fonctionner. Pourquoi? Parce que l'évangile doit aller dans ton village. Donc si tu ne connais pas Dieu, sous cet angle-là, tu vas raser le mur tout en disant que tu es chrétien. Dieu a dit, je vais les rencontrer et je veux leur parler. Je veux qu'ils sachent qui je suis. Et je veux qu'ils comprennent que tu n'es pas n'importe qui, tu es mon serviteur. Donc quand Dieu est venu ce jour-là, c'était une véritable catastrophe. Les gens tremblaient, les gens avaient peur.
À un moment donné, Dieu parlait, ils ont eu une lionne, et Moïse, il faut lui dire ça. Parce que si ça en a une journée, ça se passe comme ça, là, et là, vous comprenez. Il a dit, ok, bien, Moïse vient. De loin, il n'arrive pas à m'accepter, il faut que je trouve un moyen d'être au milieu d'eux. Et donc, c'est à cet effet que Dieu va révéler son projet pour son peuple. Comment quelqu'un qui est feu? Si vous allez aujourd'hui en Arabie Saoudite, hein, sur le mont Sinaï, vous allez voir que le dessus là est brûlé jusqu'à ce jour. Les traces sont là. Pour vous qui ne croyez pas que la Bible est la parole de Dieu, allez là-bas, vous allez voir. D'accord? Maintenant, quelqu'un qui, quand il se manifeste quelque part, il brûle le lieu. Comment il va faire maintenant pour vivre au milieu des gens? Vous voyez un peu la difficulté? Maintenant, cette même personne vit en moi. Pourquoi je ne suis pas consumé? Ça, c'est un autre sujet qu'on pourra aborder une autre fois. Ça, on ne vous assure pas qu'on fait anthropologie. D'accord? Donc, là, dans Exode chapitre 25, Exode 25, il est dit ceci dans le verset 1, l'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël qui m'apportent une offrande, vous la recevrez pour moi de tout homme qui la fera de bon cœur. Si vous voulez offrir quoi que ce soit à Dieu, que ce soit de bon cœur, que ce ne soit jamais à contre-cœur. Parce que si vous lui offrez quoi que ce soit à contre-cœur, il vous rejette, vous et votre offrande. C'est pour cela qu'en tant qu'enfant de Dieu, en tant que serviteur de Dieu, nous n'allons pas prendre la parole de Dieu pour manipuler les gens. D'accord? Quand on veut donner dans la maison de Dieu, on donne de bon cœur. Et il dit, voici ce que vous recevrez d'eux en offrande. De l'or, de l'argent, de l'airain, des étoffes teintes en bleu, en pourpre, en cramoisi, du fin lin, du poil de chèvre, des peaux de bélier, teintes rouges et des peaux teintes en bleu, du bois d'acacia. Du bois d'acacia. Vous allez vous dire, mais écoutez, ces gens vivaient dans des tentes. Qu'est-ce que le bois d'acacia vient faire dans les tentes? N'est-ce pas? C'était des gens qui, à tout moment, pouvaient plier bagages et marcher. Donc, ils vivaient dans les tentes. Qu'est-ce qu'ils faisaient avec le bois d'acacia? Ils en avaient. Ce n'est pas des tiges d'acacia, c'est des planches qu'ils avaient. Et Dieu dit, si quelqu'un en a, vous me l'apportez. Et ils ont apporté cela. Dans le verset 9, il est dit, vous ferez le tabernacle et tous les ustensiles d'après le modèle que je vais te montrer. Le tabernacle. Je ne sais pas si Moïse avait une fois entendu parler de ce mot tabernacle. Dieu a son vocabulaire à lui. Vous voyez, ce travail-là, le travail de Dieu, c'est un travail spirituel. C'est une œuvre spirituelle. On ne la fait pas avec l'intelligence humaine. Si vous essayez ça là, vous allez passer à côté. D'accord? Voilà pourquoi tout ce qu'on vous dira de faire dans la maison de Dieu, veillez à ce que vous soyez sous l'inspiration de l'Esprit. Si vous n'êtes pas sous l'inspiration de l'Esprit, vous allez amener autre esprit dans la salle. Je vous explique. Si quelqu'un rend ministère, mais n'est pas en esprit, ça veut dire qu'à l'instant où il est en train de parler, il est sous le contrôle d'un autre esprit. Et quand il rend ministère sous l'impulsion de cet autre esprit-là. C'est pour cela que, quoi que ce soit qu'on nous demande de faire, tu vas vers Dieu et tu confesses que tu es faible, que tu ne peux pas. Dieu, qu'est-ce que je vais dire? Ce n'est pas parce que tu as l'habitude de faire que tu viendras faire. Le royaume de Dieu ne fonctionne pas comme ça. Dans le royaume, quand le diable nous voit, nous sommes plus que vainqueurs. Mais devant le trône, nous sommes dépendants. Nous dépendons de Dieu. C'est comme ça que Jésus a vécu et nous a laissé comme modèle son style de vie. Nous dépendons du Saint-Esprit. Ça, c'est sur le lit. J'étais en train de demander qu'est-ce que je vais dire. C'était là comme ça, en tournant comme ça. Et il disait, il faut dire ça. Ça aussi. Ça aussi.
J'ai laissé passer une journée pour que ça puisse prendre place en moi avant que je l'aille m'asseoir pour dire ok, je suis venu. Donc, Dieu veut habiter au milieu de son peuple. Moïse pouvait me dire, Dieu, je suis allé sur cette montagne. Tu as brûlé le lieu. Tu me demandes de prendre du bois d'acacia. Le bois en contact avec le feu, Dieu. Hey, je vais te montrer le modèle qui fait ce que je te dis. C'est ça le serviteur de Dieu. On ne fait pas de débat avec Dieu. On se soumet et on reçoit des instructions. Donc là, il dit, vous me faites le tabernacle, je vais vivre parmi mon peuple. Verset 10. Ils feront une arche de bois d'acacia. Et il va donner les dimensions de cette arche. Il va parler de propitiatoire. Il y a des mots qui sont intervenus. Certainement que Moïse, c'est la première fois qu'il en entend parler. D'accord? Il y a beaucoup de choses qui sont entrées dans la confection du tabernacle, les planches, les tiges ou les rideaux. Mais ce qui m'intéresse dans ce cas de figure, c'est l'arche de l'alliance. Là, Dieu a donné des instructions spécifiques sur comment l'arche sera confectionnée. Et quelle sera la nature? N'oubliez pas, c'est à partir du bois d'acacia. Dans le verset 21, tu mettras le propitiatoire sur l'arche. Et tu mettras dans l'arche le témoignage que je te donnerai. C'est là que je me rencontrerai avec toi, du haut du propitiatoire, entre les deux chérubins placés sur l'arche du témoignage. Je te donnerai tous mes ordres pour les enfants d'Israël. Donc, Dieu a un projet. Et ce projet est souverain. Et ce projet ne va souffrir d'aucune insuffisance. Mais vous remarquerez que pour que le projet devienne réalité, il ne demande pas à Pharaon de financer son œuvre. On ne fait pas l'œuvre de Dieu en envoyant des lettres aux païens. L'œuvre faite selon Dieu se suffit à elle-même. C'est à Dieu qu'il faut demander. Parce que quand vous commencez comme ça, celui qui a donné plus va s'imposer à vous. D'accord? Beaucoup de vous sont tombés dans ce piège. Vous ne savez pas d'où vient l'argent. Et il vous donne. Tout le temps là, il vous donne. Vous demandez 25 000, on vous donne 250 000. Ce frère est super généreux. Non. C'est un trafiquant. Tu ne sais pas d'où vient l'argent. D'accord? Donc, là, il a demandé à son peuple. C'est pour cela que quand on fait l'œuvre de Dieu, quand on nous présente un projet, c'est ce qu'on a fait pour Dieu. Et on nous demande de contribuer. Ça, c'est l'œuvre de notre Père. On n'a pas besoin de quoi? De vous manipuler, non. Nous, on ne fait pas ça. C'est ailleurs qu'on manipule les gens. Et tu souffres même à me dire vraiment, hein, Dieu, ça là, c'était pour acheter mes livres. Mais, qu'est-ce qu'ils ont dit? Et tu viens donner. Et à l'intérieur, même toi, tu dis, maudit soit le jour, j'ai mis pied dans ce livre. Vous voyez un peu, ça, c'est pas l'adoration. Ça doit venir de ton cœur. Jésus est rentré dans le temple, il a vu cette vieille dame en train de mettre le peu qu'elle avait. C'était sa subsistance. Quand il a vu, il dit, la dame là, elle a donné plus que tout le monde. Il dit, ah, comment? Seigneur, je suis Judas Iscariote. C'est moi qui tiens la bourse. Je sais compter. Tu as vu le monsieur avec son bourreau ronflant là? Il a donné plus que tout le monde. Non, tu n'as rien compris. Tu vois, ces gens-là, c'est de leur superflu qu'ils sont en train de nous donner. Ils viennent donner le superflu. Ils viennent donner pour se faire voir. D'accord? Le royaume de Dieu fonctionne autrement que le monde. Donc, c'est pour cela que nous veillons au grain pour que les principes du monde ne trouvent pas leur place dans la maison de Dieu. Quand on voit ça venir, on va donner des avertissements. Et si quelqu'un s'entête, on va le dégommer de là. D'accord? Très bien. Donc ici, le projet est révélé. Et Dieu a dit, il faut
que chacun participe. La Bible a cité beaucoup de choses à donner, non? N'est-ce pas? Ça veut dire que chacun trouvera quelque chose à faire dans cette œuvre-là. Bien, vous allez même vous demander, le pasteur est venu nous parler. Et la manière dont il parle, c'est comme s'il y a un projet ici. Je ne suis pas venu ici comme un griot, ce n'est pas mon ministère. Moi, je ne fais pas ça. Je suis venu vous dire ce que Dieu m'a dit de vous dire. Et le test qu'il m'a donné, c'est ça que je suis en train de vous donner. Je suis en train de parler d'un Dieu tout puissant qui a quitté le ciel. Il est venu sur une montagne, la montagne a été consumée au sommet. Hein? Si tu as offensé quelqu'un, et tu seras mal à l'aise. Si tu es vraiment en esprit, si tu refuses d'aller demander pardon, tu n'as plus de communion avec Dieu. Parce que l'esprit de Dieu, c'est un esprit royal. C'est un esprit souverain. Ce qu'il dit, c'est ce que tu fais. C'est parce que toi qui viens dire qu'il fera. Non. Si tu as offensé ton frère et tu dois demander pardon, va lui dire ce que tu as fait et demande pardon. Il ne faut pas juste le voir et le saluer. D'accord? Et raconter des choses pour le faire rire et puis repartir. Tu n'as fait aucune restitution. Ça veut dire que tu es fou. Tu n'es pas sincère. Le verbe pardonner là, ou demander pardon, tout ça, c'est même le premier coup, non? Ou bien? C'est pas le premier coup. Hein? Demander là, c'est pas le premier coup. Hein? Tu peux conjuguer, non? Tu vas demander pardon, puis tu es tranquille. Donc, il ne faut pas amener autre chose. Et ceux qui sont dans le ministère musical, si votre vie n'est pas réglée devant Dieu, vous serez une cible pour le diable. Pourquoi je vous dis ça? Parce que c'est ce qu'il faisait avant de devenir ce qu'il est devenu. Et il n'aime pas que quelqu'un puisse chanter pour faire descendre la gloire de Dieu. Donc si vous voulez marcher avec Dieu dans ce ministère, vous devez marcher dans la sainteté. Ce qu'on voit ailleurs là, dans les chorales, groupes musicales, il y a des copains, il y a des copines. Dans les chorales, tout ça, il y a quoi? Des gens qui ne se parlent pas et viennent chanter? Non. Si vous êtes dans cet état, vous chantez, la voix, c'est la voix de Jacob. Mais le corps là, c'est le corps des hommes. Oui, ça très bien chanter, mais à l'intérieur, il n'y a rien. Là, vous serez en train de vous créer des problèmes parce que, au lieu que vous attirez la présence de Dieu, vous allez attirer autre chose. Et vous serez obligé, pendant que vous faites votre chose là, de dire Dieu, please, s'il te plaît. Et à cause du sang versé, il faut venir. Il ne faut pas rester à l'écart, il faut venir. Donc, pour ceux qui sont dans le groupe musical, c'est très important d'avoir un contact avec eux, de savoir qui est, qui fait quoi. Si quelqu'un là, il n'est pas dans les normes, il faut l'aider à s'asseoir. Vous voulez faire du commerce avec Dieu, ça ne marche pas comme ça. La voix sera là, l'émotion et tout le reste, mais Jésus ne sera pas là parce qu'on ne se sert pas de Dieu. C'est Dieu qui se sert de nous. Deuxième point. On va parler maintenant de la réalisation de ce projet de Dieu. Vous savez que quand Dieu parlait à Moïse, tout le monde était au pied de la montagne. Il était seul là-bas. Avec l'Éternel. Il a reçu les instructions de Dieu. Vous savez, Dieu, il est en même temps en train de parler avec Moïse et il voyait en même temps le peuple. Voilà pourquoi quand le peuple, dès qu'ils ont péché, il a dit, il faut descendre. Ils viennent de pécher. On n'a pas besoin d'être avec toi à la maison. Mais si tu t'identifies à ce groupe, si tu fais des choses, nous saurons. Parce que Dieu nous dira. D'accord? Si tu fais des choses seul, nous saurons. Parce que Dieu nous dira. Si tu amènes l'esprit du monde, si tu amènes l'esprit du monde, si tu penses en termes de positionnement, vous comprenez le positionnement, non? Ok, je positionne mon cousin. Ces choses qu'on fait dans le monde là, si tu amènes ça ici. Le vent va souffler. Toi et ton positionnement, un jour vous allez. Mais avant on était là, non? Oui, vous ne serez plus ici. D'accord? Ne sois pas étonné parce que ça commence par sortir comme ça. Quand on vient dans la maison de Dieu, on vient avec un cœur ouvert. On vient comme un enfant. On veut aller au ciel, c'est pourquoi on est ici. C'est par contre le positionnement. Donc, Dieu
a donné des instructions à Moïse, c'est lui le prophète, et il lui dit, je vais te montrer le modèle. Ça veut dire Moïse devait recevoir la révélation. Je vous ai dit, Dieu est esprit. Il se révèle et il révèle. Donc il va révéler le modèle. Et le tabernacle, c'est le format en miniature du tabernacle qu'il y a au ciel. D'accord? Avant ce temps, personne n'avait vu ça. Dieu venait vers Abraham. Mais Abraham ne savait pas s'il y a là-bas. Vous comprenez? Avant ce jour-là, que Dieu ne donne la révélation, Moïse, il entrait dans la nuée, tout ça, mais il n'avait pas eu connaissance de l'arche de l'alliance, du tabernacle dans le ciel. Jusqu'à ce que Dieu lui donne la révélation. Frère, sœur, c'est une très bonne chose d'aller à l'université, de faire des études supérieures. Mais si tu ne fais pas attention en lisant la Bible, la parole de Dieu, tu seras tenté de lire les Saintes Écritures avec les lunettes de ta formation universitaire. Et là, tu vas passer à côté. C'est le livre de Dieu. Et Dieu, il révèle sa parole. Si tu lis comme ça, c'est une lettre morte pour toi. Alors que elle est esprit et vie, cette parole. Donc c'est l'état de ton cœur qui te permet, en lisant la parole de Dieu, d'un seul coup la lumière vient et tu comprends ce que tu es en train de lire. Si tu n'as jamais fait cette expérience-là, you still have a long way to go. Jusque-là, tu ne fais que lire Bible, là, quoi, sujet, verbe, complément. Ça, c'est le premier niveau. Il y a plusieurs niveaux de lecture des Écritures. Tu n'as pas vu les Écritures. Tu as lu le verset. Maintenant, il faut voir le verset. C'est là qu'intervient la révélation. Moi, quand on vient ici, là, ce n'est pas qu'on fait dans les autres églises. On vient de rencontrer Dieu dans sa parole. D'accord? À un moment, tu peux venir comme ça dans un programme comme tel, et quand on finit ici, tu dois avoir rendez-vous avec le jeune homme là, et puis vous allez fricoter ensemble. Et d'un seul coup, ça sort comme ça, bam, et ça t'arrive, et tu dis, ah, ils m'ont eu. Et tu pries en ce moment, il ne faut pas qu'il appelle, parce que maintenant là, j'ai fait voler, mais il ne faut pas qu'il appelle. S'il appelle maintenant, comment je vais faire? Là, c'est pour te dire que tu es ici. D'accord. Vous avez parlé de restitution. C'est ça. Jeune dame. Ce que tu fais avec ce jeune homme-là, qui lui-même aussi, c'est un chômeur. C'est difficilement, il arrive à joindre les deux bouts à la fin du mois. Ce que vous faites entre vous là, qui est au courant? Papa est au courant. Maman est au courant. Ça, c'est pas mariage. On ne t'a même pas pris en otage, tu t'es vendu. Est-ce que certains de vous. Cuisine et tout ça à fond. Hein. Vous allez à la limousine, là, vous allez voir ces jeunes filles-là, certaines de lycée qui viennent à partir de 18h, tout ça. Quand tu vois ça, tu te dis, elles n'ont rien compris. 5 minutes de plaisir. Si, vous voyez, vous connaissez Antonoir. Antonoir. Vous connaissez Antonoir, non? Antonoir. Tu t'amuses avec le péché, là. C'est comme on place Antonoir sur toi, on verse des démons, là, ils vont comme ça en toi. Et ta destinée est détruite. Ce pourquoi Dieu t'a fait venir dans ce monde est détruite. Juste parce que tu es en train d'aller sur un territoire que tu ne maîtrises pas. Ce n'est pas que 5 minutes de plaisir. Donc si tu n'es pas marié et tu fais ça, et que tu es ici avec moi tout de suite, maintenant, je vais juste t'aider pour que tu arrêtes. Parce qu'au-delà des 5 minutes, si on te fait asseoir et on t'explique ce qui t'arrive, chaque fois que tu vas sur ce terrain, tu vas marcher sur la pointe de pied. Maintenant, si tu dis que tu es chrétien, que ce Dieu qui est venu sur la montagne, et la montagne a tremblé, et le feu est venu, maintenant il vient résider en toi, et tu veux prendre son corps pour aller faire quoi? Son corps là, seul, quand tu es seul, ou aidé par quelqu'un. C'est bon? Vous êtes ici avec moi? Merci. Donc, dans Exode 40, tout ce que Dieu avait révélé à Moïse, Moïse l'a accompli. Ce qu'on lui a montré, c'est ce qu'il a fait.
Dieu lui a donné de façon précise le nom d'un certain nombre d'individus, de personnes, pour faire le travail. Il n'est pas descendu pour dire, ah, venez ici. Depuis que vous êtes né là, vous avez une fois vu une montagne trembler. Répondez, dit, non. Par qui la montagne a tremblé, ce n'est pas ton ministère. Et il va s'imposer aux gens, non. Moïse est un type de Christ, quand vous lisez l'Ancien Testament. Un monsieur très effacé. L'œuvre du ministère n'est pas un jeu d'enfant. Ce n'est pas un jeu d'enfant. Ce monsieur, à cause de l'œuvre, sa femme l'a quitté. Est-ce qu'il a quitté Dieu? Hein? Il a quitté Dieu. Est-ce qu'en tout temps, il a pris une jeune demoiselle pour dire c'est la femme du ministère? Il a fait ça. C'est ce que vous entendez dire un peu partout maintenant là en ville où à un moment donné on se débarrasse de sa femme pour dire ça est, c'est la femme. Ce monsieur est resté comme ça. Et il a servi Dieu de cette façon. Jusqu'au jour où son beau-père a ramené sa femme. Parce qu'en tout temps, il avait besoin d'avoir les idées claires pour recevoir de Dieu. Vous comprenez? Et il ne veut pas être devant l'Éternel comme ça. Dieu a dit, Moïse, oui, c'est faux là. Je vais dire, ah, c'est faux là. Dieu dit, ok, c'est faux là. Toi, là, il faut être au vestiaire pour le moment. Ce monsieur-là, il faut que je travaille ça. Vous comprenez? Donc, si je parle à mes jeunes soeurs, si vous venez ici et que parmi les frères, quelqu'un commence par faire des phrases équivoques, par dire des choses, et ton intuition de jeune fille te dit, ce frère-là, il est en train de sortir de l'esprit. Là où il est en train d'aller là, il faut vite nous faire savoir, on va le discipliner publiquement. Parce que ici là, ce n'est pas une caverne de fornicateurs. C'est clair? Les amener à l'Alléluia là, vous allez tout à l'heure venir nous dire. Alléluia! L'esprit de sainteté est à l'œuvre. Je vais lire le verset 1 et 2 d'abord. L'Éternel parla à Moïse et dit, le premier jour du premier mois, tu dresseras le tabernacle, la tente d'assignation, et tu placeras l'arche du témoignage, tu couvriras l'arche avec le voile, tu apporteras la table, et tu la disposeras en ordre, tu apporteras le chandelier, tu en arrangeras les lampes, tu placeras l'autel d'or pour le parfum devant l'arche du témoignage, tu mettras le rideau à l'entrée du tabernacle, tu placeras l'autel des holocaustes. Si je continue la lecture, je cite des choses ici. Ceux qui sont pas très habitués aux écritures vont dire c'est quoi tabernacle, c'est quoi autel. Donc il y a beaucoup de choses que je suis en train de lire ici qui peuvent vous sembler obscurs, opaques et nébuleux. En fait, ces versets que je viens de lire sont en train de me dire ce que Dieu avait dit à Moïse sur la montagne, qui était son projet. Ce projet maintenant va prendre corps, va devenir une réalité. On est d'accord? Très bien. Et Dieu lui donne des instructions. C'est un Dieu méticuleux. C'est un Dieu méticuleux. On n'a pas le temps, sinon si on analyse le texte, vous allez voir pourquoi il dit de placer ceci avant l'autre. On passe le temps là maintenant. Et il va dire, ok, il faut placer les planches, il faut dresser le tabernacle, après il faut faire entrer l'arche. Ce n'est pas un Dieu de désordre. Tout se fait de manière synchronisée. Et le jour où le tabernacle a été dressé, il a donné des instructions sur comment sanctifier tout cet assemblage-là. De manière à ce qu'au moment où le dernier élément sera sanctifié, vous ne serez plus à proximité de là où il va intervenir. C'est ça le Dieu auquel vous vous êtes approché. Ce n'est pas un Dieu de désordre. C'est un Dieu d'ordre. Donc ici, il avait parlé avant. Ça va devenir une réalité. On va lire le verset 17. Le premier jour du premier mois de la seconde année, le tabernacle fut dressé.
Donc, le tabernacle maintenant est dressé. C'est devenu une réalité. Tout le monde pouvait voir. Mais jusque-là, c'est comme si je ne parle plus du bois d'acacia, n'est-ce pas? Ce bois est entré dans la confection de l'arche de l'alliance. Et Dieu a donné des précisions sur comment s'y prendre. D'abord, le réceptacle lui-même. Ensuite, les tiges qu'il faut mettre de part et d'autre pour pouvoir pour aider ceux qui vont porter. Et tout cela a été en contact avec l'or, au point que le bois n'apparaît plus nulle part. Ça a été enduit d'or. D'accord? Ceux qui ont donné le bois d'acacia ne pourront plus dire « Ah, c'est mon bois ça !» Non. Lorsqu'on se donne à Jésus, il n'y a pas lieu de dire « Ah, tu ne vois même avant dans ma famille, on m'appelle Nice. » Depuis que je suis devenu chrétien là, vraiment, les chrétiens là, le Dieu là, il est dur. Maintenant, je passe, les gens me regardent. Sinon, au village, quand on allait à la fête traditionnelle là, il fallait voir. Si tu regrettes ton passé dans le péché, tu n'es pas encore ton maître. Comprenez? Tu t'es bien habillé et tu passes dans une ruelle. Vous savez qu'il y a des gens qui ont leur fausse d'aisance là, la canalisation débouche sur la rue, n'est-ce pas? Tu es très bien habillé, tu ne sais pas comment, tu es tombé dans ça. Et tu as crié, on est venu te faire sortir de là. Et on t'a aidé, tu t'es lavé, tu regrettes. Le temps, les 15 minutes que tu as fait dans le... Vous voyez, c'est ça le monde. D'accord? Donc si quelqu'un vous parle du monde comme s'il regrette d'avoir quitté le monde, et il n'est pas converti. Quand on est réellement converti là, on a en horreur cette ancienne vie. C'est clair? Ce bois d'acacia, on l'a utilisé, on a confectionné l'arbre. On a mis le propitiatoire. Le propitiatoire, c'est comme le couvercle qu'on place dessus. Et à l'intérieur, on mettra les tables de la loi. D'accord? Après, le bâton d'Aaron va rentrer dedans, un peu de mal aussi va rentrer dedans. Et on ferme tout ça. La partie qui m'intéresse, c'est que quand Moïse a dressé le tabernacle, versets 33 à 35, verset 33, il est dit, il dressa le parvis autour du tabernacle et de l'autel, il mit le rideau à la porte du parvis, ce fut ainsi que Moïse acheva l'ouvrage. Alors la nuée couvrit la tente d'assignation et la gloire de l'Éternel remplit le tabernacle. Moïse ne pouvait pas entrer dans la tente d'assignation parce que la nuée restait dessus et que la gloire de l'Éternel remplissait le tabernacle. L'idée, c'est quoi? Dès l'instant que la gloire de Dieu est descendue sur le tabernacle, sur l'arche de l'alliance, même Moïse ne peut pas toucher. Vous suivez? C'est du bois d'acacia qu'on a consacré. Et des ouvriers ont travaillé ce bois. On l'a enduit d'or. Jusque-là, il n'y a rien. Ensuite, ça a été sanctifié de façon cérémonielle. Maintenant, Dieu doit approuver. Dieu a approuvé. Et sa gloire est descendue. Et il est venu maintenant, pour les chrétiens modernes, on doit presque vous expliquer. Comment on va faire maintenant pour expliquer tabernacle et tout ça? Apportez-moi le dispositif. Suivez-moi. On suppose que ceci, vous oubliez en bas, d'accord? Que c'est ça l'arche de l'alliance. Vous suivez? Quand la Bible parle de propitiatoire, c'est ça, ce qui couvre. D'accord? C'est ça le propitiatoire. Maintenant, à l'intérieur, si on ouvre à l'intérieur, il y aura les deux tables de la loi à l'intérieur. Ensuite, il va y avoir la verge d'Aaron, si vous étudiez bien votre Bible. D'accord? On va mettre dedans. Et on a recueilli un peu un échantillon de manne dans une coupe qu'on a mis dedans. Et on a fermé. Maintenant, au-dessus, ici, de ce côté, on a
sculpter des chérubins, des anges. Les chérubins, il y a différentes catégories d'anges. D'accord ? Je n'ai pas le temps pour expliquer tout ça. Donc, là, un est ici et il fait comme ça. Ses ailes sont déployées comme ça. Une partie est de ce côté. Même chose ici. De telle enceinte que, ici à l'intérieur, là, il y a un espace vide. Cet espace vide là, quand vous arrivez là-bas, il y a une lumière ici, dans la source, vous ne pouvez pas dire ça vient d'ici. Non, non. La lumière est juste ici. D'accord? Donc, le jour là, quand sur le texte qu'on vient de lire, quand la lumière est descendue sur l'ensemble, le tabernacle, c'est les trucs avec les planches et tout ça là. D'accord? Le parvis, il y a des rideaux pour pouvoir séparer. Vous rentrez dedans, vous allez voir la cour. Et puis vous allez voir l'autel des sacrifices. Après, vous allez voir un vase où on lave les mains et tout ça. Donc ici, la lumière maintenant se positionne ici. Et quand Moïse, Dieu l'appelle avec une vienne. S'il vient là, il ne regarde pas. Il vient pour ouvrir ses deux oreilles, pour entendre. Il pose des questions et quelqu'un parle ici là, entre les deux chérubins. Il y a une lumière et la personne parle là. C'est l'éternel qui est là. C'est clair pour vous? Vous arrivez à comprendre? Très bien. Donc, il parle et il donne des instructions. Moïse pose des questions, il donne des réponses. Et il va partir. Aaron, qui est le souverain sacrificateur, lui ne peut pas comme ça se lever pour aller là-bas. C'est une seule fois l'année qu'il va là-bas. Moïse, c'est sur instruction, sur invitation, qu'il vient là-bas. Vous comprenez? Le bois d'acacia est toujours présent, mais c'est enduit d'or. Ça, c'est un de maintenant. La gloire de Dieu a touché le bois d'acacia. Et Dieu a dit, si quelqu'un touche, il meurt. Si quelqu'un regarde, il meurt. Donc, quand on veut démonter l'arche, là, il y a une manière méthodique par laquelle l'on s'y prend pour couvrir l'arche. À certains groupes, même on leur a dit, pour vous, là, vous allez vous occuper, mais vous n'allez même pas voir. Et c'est de cette façon que cette arche-là va symboliser la présence de Dieu. Il y a un certain nombre de faits par rapport à l'arche. Un, l'arche est intouchable. Vous ne pouvez pas toucher. Deux, l'arche de l'Alliance est unique en son genre. Pourquoi? Cette arche-là, quand ça a été confectionné, je laisse ça là-bas. L'arche ne peut pas être noyée. Quand les enfants d'Israël devaient traverser le Jourdain, c'est parce que les sacrificateurs ont porté l'arche, qu'ils ont mis leurs pieds dans l'eau, que l'eau s'est fendue. C'est la présence de l'arche, ce n'est pas le pied des sacrificateurs. C'est bon? Bien. Autre chose, cette arche-là est indestructible. Autre chose, l'arche de l'Alliance produit la vie ou la mort. Je vais vous expliquer. Quand les enfants d'Israël sont allés sur la terre promise, ils ont choisi Silo comme lieu où il faut venir consulter l'Éternel. Les deux fils de d'Élie le sacrificateur, c'est des petits bandits là, qui étaient dans le temple, mais quand les femmes viennent là, ils couchent avec les femmes. Les femmes aussi, parfois je me demande, vous aussi, hein, je ne parle pas de vous, hein, vos grandes sœurs. Tu es allé à l'église pour écouter la parole de Dieu, et quelqu'un veut coucher avec toi, et puis tu as quitté à 7. Vous comprenez? Hein? Même si tu te déplaces pour aller voir un gynécologue, tu es allé en consultation, n'est-ce pas? On te consulte, tu rentres chez toi. Mais si demain on apprend qu'il y a des choses, ça veut dire que toi-même tu n'as pas de dignité personnelle. C'est clair? Parce que vous avez peur. Dis, ah, on a tellement de femmes aujourd'hui, et qui va me pousser? Reste tranquille. C'est Dieu qui établit un plan pour nos vies. Si tu veux te donner à un garçon pour qu'il te pousse, le fait que tu te sois facilement donné, tu es en train de lui dire que tu es une femme passive, il ne va pas t'épouser. C'est clair? Donc, ce jeune homme-là couché avec les femmes. Et s'amusait même avec les sacrifices de l'Éternel. Dieu a dit, ok, il a un moyen pour faire tout dire. Il faut dire à Élie, tes enfants là, ils vont mourir le même jour.
Voilà, voilà ce que les enfants. Quand on fait l'œuvre de Dieu, il n'y a pas de discipline, la gloire de Dieu va partir. Vous comprenez? Peut-être qu'à la maison, tu es le chouchou de papa, n'est-ce pas? Ou chouchou de maman. Et personne ne te dit, ne fais pas. Tu as grandi comme ça. Mais là, quand tu es venu dans la maison de Dieu, tu as pensé que nous, on va te pomponner. Nous, on ne fait pas ça. Si tu ne agis pas bien, on va prendre la Bible, tu te dis, ma soeur en Christ, ici c'est le royaume de Dieu. Ce que tu as fait là, on va vérifier dans la Bible qu'est-ce que Dieu dit à nous. Et on va te dire, voilà ce que Dieu dit. Tu vas te fâcher, tu vas foncer la nuit, tu vas insulter. Ça ne nous fera rien du tout. On va prier pour toi, tu vas revenir. Et après, tu vas comprendre qu'on est en train de t'aider à aller au ciel. D'accord? Donc dans l'œuvre là, il y a discipline. Donc ici là, il y a discipline. Ou il n'y a pas discipline. Il y a discipline. Donc ce monsieur-là a perdu les deux enfants. Et les ennemis des enfants d'Israël, ils ont pris l'arche. Ils se sont réjouis. Ah, on a pris l'arche. Ils l'ont introduit chez leur Dieu. Leur Dieu a eu des problèmes. Chez Dagon. Donc cette arche-là produit la mort et produit la vie. Alors quand l'arche est arrivée, tout le monde a une hémorroïde dans le pays. Avant, on n'avait pas hémorroïde. Maintenant, on a hémorroïde. Si c'est aujourd'hui là, on va dire, dans quelle fâche? Qu'est-ce que tu penses? Dire, ok, ça c'est un coronavirus. C'est ceci, selon la science, selon ceci. N'est-ce pas? Parce qu'on nous a dit que tout s'explique par la science, n'est-ce pas? Maintenant, le spirituel là, on est profondément et glorieusement ignorant de ça. D'accord? Donc, là, ils ont compris. Ça a amené la mort chez eux. Et après, ils ont dit, ah, il faut qu'on se débarrasse de ça rapidement. Ils s'en sont débarrassés. Et David s'est dit, ah, parce que tout ce qu'on a dit sur David, devenu roi, tout ça, l'arche n'était plus chez eux. Donc, ils ont dit, il faut qu'on ramène l'arche. Et en ramenant l'arche, et on l'a déposé sur un chariot. Vous connaissez cette histoire-là? L'arche a semblé basculer d'un côté. Vous pensez que là, c'est juste le caisson là, c'est pas vrai. Il y a la présence de Dieu tout autour. Ça ne va pas tomber. Et un certain Uzza, très zélé, a voulu aider Dieu. Il a envoyé ça quand il est mort, sur le champ. Parce que ce que Dieu a dit, il a dit. On ne touche pas à l'âge. David se fâche. Ah, si c'est ça là. Toi, mais tu, toi, ta chose est restée longtemps là-bas. Nous, on veut ramener, tu les gens. Ah, donc, comme chacun sait un peu plus mieux que son prochain, il dit, ok, on va se fâcher le monsieur-là. Et si ça peut mourir, donc, les gens ont mourir chez lui. Ils sont partis. Ça a produit la vie chez le monsieur. D'accord, vous voyez un peu. Pour vous, en voyant, c'est juste un caisson. Mais ce n'est pas un caisson. C'est la même chose pour la sainte scène que vous prenez à l'église. Pourtant, c'est juste quoi, des biscuits. C'est ça, mais. Et Dieu. Si tu t'amuses avec ça, tu vas mourir prématurément. Ton pasteur t'a une fois dit ça. Il t'a expliqué. Si tu vis dans le péché, tu prends la sainte scène, tu vas mourir prématurément. Tu vas devenir infirme. Tu vas souffrir d'une maladie, la science ne peut rien trouver. On va t'amener au village que c'est ton, c'est pas ton oncle. On te ramène dans l'église. Dis ce que tu as fait. Quand tu auras dit, on va prier pour toi. Vous comprenez? Les choses de Dieu sont sérieuses. Donc ici, cette tâche dont nous sommes en train de parler là, l'arche de l'alliance là, c'est dès que la gloire de Dieu l'a touché, l'arche est devenue indestructible. Maintenant, vous allez dire, tout ce qu'on est en train de dire sur l'arche, là, et Acacia jusqu'à maintenant, là, qu'est-ce qui se passe? L'arche de l'Alliance ne peut pas aller en captivité. D'accord? Vous pouvez ramasser les coups, vous pouvez aller en captivité. L'arche n'ira pas. Je vous ai dit que l'arche est unique en son genre. En ce que, dans 2 Chroniques chapitre 5, quand Salomon a conçu le temple, ils ont reproduit en grandeur nature tout le dispositif du tabernacle, à l'exception de l'arche de l'alliance. Ils n'ont pas reconfectionné l'arche de l'alliance. Ils n'ont pas ce droit. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu n'est pas un logiciel où vous allez faire mise à jour. D'accord? Les temps vont passer, elle demeure la parole de Dieu. Donc si tu dis que tu es chrétien et tu n'as pas compris ça, ces chérubins, les deux là, ce sont là, se faisant face.
mais il n'y a pas d'arche remise à niveau. Non, non, il n'y a rien comme ça. C'est l'ancienne arche là qu'on a amenée. Et quand l'arche a été introduite, les chérubins avaient des ailes étendues sur la place de l'arche, ils couvraient l'arche et ses barres par-dessus. On avait donné aux barres une longueur telle que leurs extrémités se voyaient à distance de l'arche devant le sanctuaire, mais ne se voyaient pas dehors. L'arche a été là jusqu'à ce jour. Il n'y avait dans l'arche que les deux tables que Moïse y plaça en Horeb lorsque l'Éternel fit alliance avec les enfants d'Israël à leur sortie d'Égypte. Vous voyez, entre-temps, la verge d'Aaron, on ne sait pas ce qui s'est passé, ça a disparu. Entre-temps, la manne a disparu. Vous savez, quand les enfants d'Israël étaient dans le désert, chaque matin, il y a la manne qui tombait, n'est-ce pas? Dès qu'ils sont arrivés sur la terre promise, la manne a cessé de tomber. Parce que maintenant, ils vont consommer les choses du pays. D'accord? Maintenant, au moment où on introduisait l'arche dans le lieu très saint, il n'y a que les tables de la loi dans l'arche. Et lorsque l'arche a été introduite, il dit, au moment où les sacrificateurs sortaient du lieu saint, car tous les sacrificateurs présents s'étaient sanctifiés sans observer l'ordre des classes, et tous les lévites qui étaient chantres, Asaph, Eban, Jedutun, leurs fils, leurs frères, vêtus de byssus, se tenaient à l'orient de l'autel avec des cymbales, des luttes, des harpes, avec auprès de 120 sacrificateurs sonnant des trompettes. Et lorsque ceux qui sonnaient des trompettes et ceux qui chantaient s'unissaient d'un même accord pour célébrer pour louer l'Éternel, lorsqu'ils firent retentir les trompettes, les cymbales et les autres instruments, célébrer l'Éternel par ses paroles, car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. À ce moment, la maison de l'Éternel fut remplie d'une nuée. Ce qui s'est passé au désert, s'est passé à nouveau. Ça veut dire, Dieu a signifié, je suis venu. Dès qu'il touche un lieu, ce lieu devient saint. Quand Dieu touche quelque chose, cette chose devient sainte. Et quand Dieu touche une vie qui lui est agréable, cette vie, elle est sainte. Vous comprenez? De la même façon, quand un pécheur te touche, il te souvre. Frère, quand une pécheresse envoie sa bouche là pour te faire bisous, 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 tout ça, si Dieu ouvre les yeux pour voir ses lèvres là, tu vas fuir les bisous. Il y a des choses que vous ne savez pas sur les lèvres humaines, sans Christ. Vous ne savez pas. D'accord? Il y a des gens juges, vous croisez leur regard comme ça là, vous allez passer un mauvais après-midi. À cause de ce qu'il y a en eux. Vous comprenez? C'est pour cela que nous ne cessons de vous dire de vivre dans la sainteté. Là, quand l'arche. Quand ils ont déposé l'arche à sa place, la présence est venue. Et dès que la présence est rentrée dans le lieu très saint, il a commencé maintenant par repousser les saints. Les gens reculaient. Supposons que quoi, ici c'est le lieu très saint, ici c'est le lieu saint, là-bas c'est le parvis. Dès qu'ils ont déposé l'arche ici, ils sont sortis, ils sont arrivés là-bas, la nuée est rentrée ici, a commencé par les pousser. Il n'y a aucun bruit, mais ils ont compris. Et ils ont commencé par reculer parce qu'il leur disait, sortez, je suis là, je prends possession de ma maison. Combien d'années, de dizaines d'années, l'arche a fait et ce bois-là a subsisté jusqu'à cet instant-là? C'est des questions, quand on lit la Bible, il faut se poser des questions et demander au Saint-Esprit, explique. Ce bois, ordinairement, ne peut pas faire 30 ans. Mais il est resté là. Dans sa position, enduit d'or. Frères et sœurs, quand on est né de nouveau, notre corps ne nous appartient plus. Ça devient le temple du Saint-Esprit. C'est pour cela qu'on n'est pas n'importe qui. Et puisqu'on n'est pas n'importe qui, n'importe quoi ne nous arrive pas. Si vous n'avez pas compris ça et vous jouez avec le péché, la gloire de Dieu ne sera pas sur votre vie. Vous serez exposé et les démons vont vous affliger. Jésus a dit à ses disciples, Simon, fils de Jonas, le diable vous a réclamé pour vous cribler, vous tous là, vous tous les 12 apôtres là, il va vous cribler. Pourquoi? Parce qu'ils n'étaient pas constants dans leur marche avec Dieu.
Dès qu'ils ont entendu dire que le Seigneur est mort, ils ont commencé par se demander okay, à qui a rencontré le Seigneur premièrement. Ils disent ok, c'est André de Nogon, c'est moi qui ai parlé à mon frère, ok, et donc il sera le chef. Donc ils ont commencé par faire ce petit débat-là pour dire qui sera grand, qui sera ceci. C'est être grand qui a fait tomber Lucifer. Je vais être plus grand que l'Éternel. Et il dit, ah, Éternel, j'ai des gens qui me ressemblent ici là, je vais les trembler. Et Jésus a intercédé. Il a dit, Pierre, j'ai prié pour toi. Vous comprenez? Ce travail-là, on ne fait pas ça avec, ok, il faut que je passe tout le temps devant les dirigeants quand ils me voient comme ça. Dit, mon frère, ça fait des pieds là, vraiment, la façon dont tu passes devant moi là, ok, il faut me la prendre la trompette. Non, c'est dans le monde qu'on fait ça. Si Dieu a besoin de toi, cache-toi, ils vont t'appeler, tu vas venir. D'accord? On ne se freine pas des chemins, avoir les coudées franches. On dit, ah ok, je pousse ici, je prends ça. Non, ça ne marche pas. Ça, c'est le principe de l'autre royaume. D'accord? Donc, cette tâche-là, les générations sont passées, l'âge est demeuré la même. Maintenant, un prophète est venu sur la scène, Jérémie, qui disait au peuple, ce n'est pas parce qu'on a construit ce temple et que l'Éternel a manifesté sa gloire dedans et que vous allez vivre dans le péché et vous allez venir ici, c'est ici le temple de l'Éternel. Le temple de l'Éternel. Le temple de l'Éternel. Nous sommes sauvés. Non! Ça, c'est de vaines espérances. Dieu dit, aussi beau que ce temple soit, je vais le détruire. Vous savez pourquoi? Parce que quand vous rentrez dans le temple là, ici, le lieu très saint là, ici là, tout le mur en haut, c'est enduit d'or. Le mur enduit d'or. Le sol enduit d'or, c'est comme ça. Là-bas aussi, même chose. Au point que quand vous rentrez dans le lieu là où les sacrificateurs rentrent, quand tu rentres là, l'or est tel que quand tu es là, tu te vois toi-même. Dieu dit, ça là, je vais détruire. Et le prophète Jérémie a caché l'arche. Quand les Chaldéens étaient venus, quand les Babyloniens étaient venus, ils n'ont pas trouvé l'arche. Juste à ce jour. Ça fait combien de milliers d'années? Jésus est venu, les mondes, ça fait plus de 2000 ans, n'est-ce pas? Mais l'arche subsiste jusqu'à ce jour. Qu'est-ce que ça nous enseigne? Ce n'était qu'un bois d'acacia qu'on avait consacré à Dieu. Ce n'était qu'un bois d'acacia qu'on avait consacré à Dieu. Et Dieu a décidé d'en faire ce qu'il veut. Je ne sais pas ce qu'il en est pour vous. Je sais qui je suis pour Dieu. Si vous ne savez pas, vous allez flotter. Voilà. Je me suis consacré à lui. Ma famille est au courant. Tout le monde sait que lui, là, c'est Dieu. Dernier. S'il décide tout de suite d'aller, ok, tu as fini ta course, je m'en vais. Sans tristesse. D'accord? Je sais avec qui je suis. Si tu ne sais pas qui tu es, tu vois au village là, ces choses qui se faisaient au ciel, Lucifer savait, c'est pourquoi avant que l'évangile n'entre dans ton village, tu vois ces féticheurs et féticheuses là, on leur met des qualifications sur le corps, tout ça là, pour dire aux gens, ces gens sont consacrés à l'idole. Pourquoi? Parce qu'il sait que c'est comme ça, Dieu veut que les gens soient à lui, corps, âme et esprit. Donc ces féticheuses là, vous allez les voir, l'idole peut leur imposer de marcher, quoi, torche nue. Ils vont vivre comme ça, pieds nus, ils vont vivre comme ça. Mais Jésus ne va pas jusque là. Il nous demande juste de lui faire confiance, de lui permettre de vivre sa vie au travers de nous. Et on trouve ça difficile. Et on doit dire, frère, il faut prier, frère, il faut prier. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas le type de chrétien qu'on a maintenant. Moi, je ne comprends pas. Et il te parle, Jésus, là, il te parle. Et quand il va parler, depuis que toi-même, tu connais la date, non? Depuis le jour où tu es converti jusqu'à l'instant où je te parle. Quand est-ce que tu as écouté la voix de Dieu pour la dernière fois? Pour que tu saches que la personne n'est pas à l'extérieur de toi, mais il est à l'intérieur de toi. Il n'y a pas un Saint-Esprit pour les pasteurs, un Saint-Esprit pour les apôtres. C'est ce qu'on veut vous faire croire. Que quand quelqu'un fait la main comme ça, comme ton Saint-Esprit est petit, son Saint-Esprit terrorise ton Saint-Esprit qui tombe. Non! Non, c'est le même Saint-Esprit que les apôtres ont reçu que nous avons. Si tu le laisses, il va reproduire la nature de Jésus en toi. Où que vous vous trouvez sur la face de la terre, si vous lui permettez, il reproduira la nature de Jésus, la personnalité de Jésus en vous. Ce n'est pas une sorte de clonage qu'on est en train de faire. Non. Et quand tu es quelque part, tu sais que Dieu est là. Tu es conscient de ça. Mais si tu es un homme ordinaire,
Une femme ordinaire. Et quand ils voient ça, les gens se sont branlés dans les bambous, toi si tu es confus. Non. Et il peut y avoir des confusions dans le monde, mais quand tu arrives, qu'est-ce qui se passe? Il y a ceci, doucement. Frère, ce n'est pas une question de doucement. Nous tous là, on est confus, frère, confus. L'esprit de confusion ne fonctionne pas chez nous. Un instant. Et tu sondes l'atmosphère. Qu'est-ce qui se passe? Non, c'est ce petit démon là qui est dans l'angle là-bas qui perturbe les gens. Ce qu'il y a là-bas, là, n'a qu'à partir tout de suite. Et le calme lui dit, comment tu as fait? Dis non, tu ne peux pas comprendre. Et ça, psychologie ne peut pas vous aider. Quelqu'un a procédé. Moi, je dis non, non, là, une personnalité multiple. Quand vous venez chez le pasteur qui est en esprit, va te dire, ça, c'est pas personnalité multiple. Ça, c'est démon. Ça s'appelle démon. Jésus a dit, quand le mauvais esprit sort, il dit, je vais retourner dans ma maison. Mais quand tu es chrétien, la Bible ne t'appelle pas maison, elle t'appelle temple. Donc si tu chasses les démons d'un pécheur là qui ne veut pas se convertir, les démons vont revenir. Donc si c'est la séance pour faire tomber les gens et autres, là, c'est ça le ministère, vous n'avez rien compris. Mon corps est le temple du Saint-Esprit. Je ne sais pas ce qu'il en est de ton corps. Mon corps est le temple du Saint-Esprit. Il est dedans. Et quand tu parles, je sais. Alors si tu dis que tu es chrétien, regarde, du simple bois d'acacia qui pousse dans le désert de Negev, tu as demandé du bois. J'ai dit, qu'est-ce qu'il va faire avec le bois? Mon Dieu, qu'est-ce que tu vas faire avec le bois? Donc je vais l'utiliser pour faire le tabernacle, un réceptacle, un habitacle. Et je vais vivre dedans. Hein? Sur la montagne, là, tu as déjà brûlé le lieu. Tu vas. Non, 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 il va pas. Il sait qui il est. D'accord? Donc si vous ne percevez pas Dieu sous cet angle-là, vous allez vivre n'importe comment. C'est en venant à l'église que vous aurez l'esprit religieux. Vous savez comment on dit Alléluia, n'est-ce pas? Et quand on dit de chanter tout à l'heure, tu as dit comment tu as chanté, non? Et si ce truc-là continue, là, tu vas commencer par s'endormir. Pourquoi? Tu viens de faire du gestuel, tu as fait du sport. Mais pas dans vos églises où les gens dansent pendant une heure de temps. Au moment du message, ils dorment. Pourquoi? Le niveau d'adrénaline a baissé. Donc ils vont dormir. Vous comprenez? Mais adoration, là, quand on fait la chose, si tu as un esprit, tu vois. Et là, ta manière, en ce moment, ta manière de chanter diffère. Si on dit, ou de ce que nous ressentons en esprit. Ok, ceux qui font un langage chanter, tout le monde va m'empêcher. Mais de toutes les façons, on ne voit rien du tout. Non, si tu es enfant de Dieu, tu dois voir. Ce que je vous dis, on ne vous dit pas dans vos églises, n'est-ce pas? Et ceux qui sont habitués aux trois points, il n'y aura pas de troisième point ici. Vous êtes habitués à ça. Il n'y aura pas de troisième point. Donc, Jérémie 3, versets 14 et 16. Vous allez comprendre l'écriture. Jérémie, chapitre 3. Je lis le verset 14. Là, il est écrit ceci. Revenez, enfants rebelles, dit l'Éternel, car je suis votre maître. Et je vous prendrai un d'une ville, deux d'une famille. Et je vous ramènerai dans Zion. Je vous donnerai des bergers selon mon cœur. Et ils vous paîtront avec intelligence, avec sagesse. Lorsque vous aurez multiplié, fructifié dans le pays, en ce jour-là, dit l'Éternel, on ne parlera plus de l'arche de l'alliance de l'Éternel. Or, elle ne viendra plus à la pensée. On ne se la rappellera plus. On ne s'apercevra plus de son absence. Et l'on n'en fera point une autre. Vous avez suivi le cheminement de l'arche du bois d'acacia qui est rentré dans la confession de l'arche de l'Alliance. Consacré. Ça a été consacré à Dieu. Maintenant, sous la nouvelle Alliance, Jésus dit. Ce qu'il veut, c'est toute ta personne. Laisse dîmes et offrandes en attendant. Si tu ne lui appartiens pas, tes dîmes et tes offrandes, il les rejette. Il ne veut pas. Il veut que tu lui appartiennes exclusivement. Moi, je suis la propriété privée et exclusive de Dieu. C'est comme ça que je vis.
Si tu ne vis pas de cette façon, il y a des choses que Dieu ne te dira jamais. Il y a des choses que Dieu ne te révélera jamais. Les secrets de l'Éternel sont avec ceux qui le craignent. Il y a des choses, avant qu'elles n'arrivent, il te dise, il te dira que ces choses vont arriver. D'accord? C'est comme tu es perché sur là pour voir ce qui va arriver par devant là. On sait. Mais on ne nous a pas dit de 10 heures, on ne dit pas. Si tu es enfant de Dieu, tu sauras. Il y a des choses qui viendront te dire personnellement. D'autres, il te le dit de manière que tu sais qu'il est en train de te confier cette charge. Toute révélation qu'il te donne, il te rend responsable de sa gestion. Il est en train de te dire ce que je te dis là. Qu'est-ce que tu penses qu'on peut faire? Je veux détruire ce don de mon Abraham. Et le monsieur a compris. Et il faut que j'intercède. Vous comprenez? Donc, il y a des choses quand il te dit pas d'aller dire aux gens. Ce qu'il m'a dit, et il ne m'a pas dit d'aller dire aux gens, je ne dirai à personne. Je vais traiter ce sujet-là avec lui. C'est comme ça que fonctionne le royaume des cieux. Tu traverses une situation, tu n'arrives pas à comprendre ce qui se passe. Tu ne peux pas savoir que sur la face de la terre, quelqu'un peut être au Brésil, enfant de Dieu. Dieu lui dira, plus pour 10. Il ne te connaît pas, mais il va prier. Parfois, on ne mentionne même pas ton nom. L'esprit dépose dans son esprit cette requête-là. Et il va prier. Dieu, tu ne sauras rien. C'est comme ça que fonctionne le corps de Christ. C'est les hommes qui auront fait quoi? Des compartiments de notre dénomination. Et c'est pour cela qu'on est victime de toutes ces choses que vous voyez. Le corps de Christ, c'est un corps mystique. C'est un corps spirituel. Dans toutes les églises sur la face de la terre, il est impossible de trouver 100% de membres qui soient nés de nouveau. Impossible. Pourquoi? Parce que selon les prophéties, il faut que le blé et l'ivraie croissent ensemble. C'est pour ça que quand nous venons vers vous, nous vous apportons la parole de manière à ce que si tu es ivraie au milieu de nous, que tu puisses laisser ça parce que la fin de l'ivraie n'est pas une fin souhaitable. Si tu es hypocrite, tu n'es pas dans le royaume, tu es dans une dénomination, mais tu n'es pas dans le royaume. Frère, si tu as les artifices d'une dénomination, alors que tu n'es pas dans le royaume, ta vie là, toi-même tu sais, tu, rien, Jésus là, c'est juste une notion pour toi. Mais tu n'as aucune conviction que c'est une personne. Et pourtant, tu maîtrises des choses religieuses. Je suis venu ce soir pour te dire, où que tu me, d'où que tu me vois là. Mais écoute, quand tu vas quitter la terre, tout ce que nous, on peut faire, c'est nous souvenir de ce que tu nous as laissé voir sur ta personne. Et on va faire nos petits commentaires sur toi. Mais qui tu es en réalité là, Dieu sait. Et dans l'éternité, Dieu ne posera pas, ne te posera même pas de questions. Parce que là-bas, tout se sait. Les démons savent. Les sorciers, quoi, les satanistes, ils savent. D'accord? Les anges savent, Dieu aussi sait. Donc, cet après-midi, ce bois d'acacia, s'il pouvait parler, il dit, vous savez pas ce qui m'est arrivé. Quand on me coupait là pour m'arranger tout ça là, ça m'a fait mal. Mais la partie qui m'a le plus fait mal, c'est quand ils ont mis l'or là, ce truc chaud là sur moi. Mais j'ai supporté. Après ça, conserver la présence de Dieu. Lorsque Dieu veut nous tester un peu, les gens font du bruit. Les gens s'énervent, certains même poussent des jurons. Si tu es comme ça, moi je vais le laisser où? Quand j'étais dans le monde, avant j'avais ceci. Tu avais quoi? Qu'est-ce que tu avais? Et qui est-ce que tu étais? Un enfant de ténèbres. Donc, si vous pensez que c'est une leçon de quoi? De botanique qu'on va faire cet après-midi? Non. Ça fait longtemps que j'ai quitté cet aspect de la botanique-là. On est en esprit actuellement. Le bois d'acacia. Quand vous voyez cette image-là, une vie consacrée. Nous, on s'était consacré à Dieu tout jeune. Au moment où les gens de notre âge prenaient plaisir à courir derrière les jeunes filles. Et on prêchait l'évangile en étant dans ces débats. Les gens sont venus nous dire ce que tu es en train de faire. La science m'a dit non, ne va pas loin. La science n'a rien dit. Je dis non, laisse-moi terminer. La science m'a dit que si tu ne fais pas un peu, mais tu risques de devenir sérieux. C'est pas vrai. La même science a dit que ceux qui se concernent là vivent de manière plus saine que ceux qui fricotent avec les filles, les garçons, n'importe quoi. Nous avons vécu comme ça. Et nous avons connu ce Dieu qui est personnel.
qui tu peux parler et qui te parle en retour. Et c'est comme ça qu'on a marché avec lui jusqu'à maintenant. Et il n'a pas changé, mais il nous transforme. C'est comme ça qu'il est. Dieu ne change pas, mais il change les gens. Il change des vies. Il change des destinées. Si le Dieu qu'on vous a présenté n'a pas cette capacité, ce n'est pas le vrai Dieu. La Bible parle du seul vrai Dieu, le véritable, l'éternel des armées. C'est ça, lui, là, qui est venu dans la personne du Christ Jésus. Et même le souverain sacrificateur, un chef religieux, il ne le connaissait pas parce qu'il n'était pas en esprit. Il maîtrisait la religion, mais il n'était pas en esprit. Le champion en titre, le tenant du titre, c'est ça, non? Champion de la doxologie, du judaïsme est venu. Il était devant le créateur du ciel et de la terre, il ne savait même pas. Nicodème, il a rencontré le créateur du ciel et de la terre, Jésus. Il ne sait même pas qu'il est devant Dieu. Pourquoi? Parce qu'il est profondément ignorant et aveugle. C'est la même chose pour beaucoup de gens aujourd'hui. Il y a beaucoup d'églises, il y a beaucoup de dénominations. Ils sont nombreux, ces gens-là, qui ont des idées sur la personne de Dieu, qui peuvent un jour dire, mais j'ai entendu parler de toi. Maintenant, mes yeux t'ont vu. Jusqu'à maintenant, tes yeux n'ont pas vu Jésus. C'est pourquoi on doit te supplier pour que, frère, viens, on va faire ce travail. Non, non, il faut me supplier encore. Et ça fait combien de semaines vous venez? Il faut revenir la troisième semaine parce que chez moi à la maison, quand papa me parle, je dis non, éternel, la vie de Dieu. C'est que j'étais consacré à Dieu. Hein? Tu es consacré à Dieu. Quand Dieu t'éprouve un peu, tu cries. Le bois d'acacia, on l'a pris, on l'a fendu, on l'a scié. Ça, c'est un. Ce même bois d'acacia, on l'a pris à quoi? Après, on l'a mis en contact avec le liquide, de l'or liquéfié, pour que ça puisse adhérer. C'est ce qu'on a fait. Et après, on en a fait maintenant l'arche. Et cette arche-là ne peut rester que dans le lieu saint des saints. 360 jours, il doit rester là-bas. Toi, tu n'arrives pas à faire 10 minutes dans la maison de Dieu. De temps en temps, tu regardes ta montre. Ah, et quand est-ce qu'ils vont finir? Là, tu n'as rien compris. La maison de Dieu, c'est là où les enfants de Dieu se retrouvent. Ceux qui vont dans les boîtes, là, dans les boîtes de nuit, là, quand ils commencent à 21h, c'est jusqu'à 4h du matin. Ils ne disent pas non, ça prend trop du temps, non. Mais quand ils viennent dans la maison de Dieu, c'est en ce moment, tu sais qu'on peut consulter la montre pour dire, ah, mais ils n'ont qu'à vite finir. C'est quel message qui est long comme ça? Mais pourquoi le monsieur là, il parle trop comme ça? Et on doit vite finir. Mais quand tu vas dans les boîtes de nuit, quand tu vas à l'anniversaire, quand tu vas au pique-nique, là, tu ne dis pas ça. Examine ta vie pour voir si tu es réellement né de nouveau. Ça, c'est le premier niveau. Ça. Est-ce que tu es réellement né de nouveau? Ensuite, examine ta vie pour voir. Est-ce que tu es consacré à Dieu? Est-ce que tu appartiens à Jésus? Je suis venu aujourd'hui pour vous dire, il cherche des gens qui lui appartiennent. Il cherche des gens qui lui appartiennent. Est-ce que tu appartiens à Jésus? Je ne parle pas d'une dénomination. Je parle de ta communion avec lui. Tu sais, quand tu lui appartiens, il te parle. Il te révèle des choses. Parce que Dieu se révèle, ça c'est un, deux. Dieu révèle, il révèle sa pensée. Mais là, il se révèle en tant que personne. Jésus a dit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Mon Père l'aimera. Nous viendrons et nous ferons notre demeure chez lui. Est-ce que Jésus vit en toi? Est-ce que Jésus vit en toi? As-tu la conviction que tu es enfant de Dieu? Tu peux lui parler et demander de te venir en aide. Tu sais, il y a ce qu'on appelle un péché chronique qui s'accroche à ta vie. Oh, tu peux lui dire, Seigneur, je vais avouer ça. Il y a ça là, cet aspect de ma vie là. J'ai lutté, je lutte aujourd'hui, je demande pardon, demain ça revient. Mais au tout de suite là, Jésus, tu es ici, je veux que tu me délivres de ça. Si tu pries réellement, si tu demandes, sincèrement, il va t'affranchir. Tu es converti. Tu es enfant de Dieu. Qu'est-ce qui te motive dans l'œuvre de Dieu? Pourquoi tu es venu? Tu veux amener l'esprit du village ici, l'esprit de ton clan ici? Tu veux amener l'esprit de, oui, c'est les gens de chez nous ici? Qu'est-ce qui t'a fait venir dans le royaume? Es-tu même dans le royaume de Dieu? Es-tu enfant de Dieu? Es-tu né de nouveau? Es-tu lavé par le sang de l'agneau? Est-ce que l'esprit t'a donné la conviction que tu es enfant de Dieu? Personne ne sait ce qui t'arrive. Dans le secret de ton cœur,
sur ce plan-là, tu peux être vainqueur dans plusieurs domaines, mais c'est exactement sur ce plan précis que l'ennemi arrive à t'avoir. Et tu tombes. Et tu demandes pardon. Et tu cries. Et tu pleures. Et tu prends des résolutions. Et il te laisse quelques semaines. Après, tu retombes encore. Pourquoi tu ne peux pas dire en toute sincérité à Dieu, Dieu, je veux dire la vérité. J'ai voulu résister au péché par ma propre force. Et ça n'a pas marché. Maintenant là, Jésus, viens à mon secours. C'est comme ça qu'on prie. Il faut être sincère. Frère, il faut prier. C'est le moment de prier maintenant. Ma soeur, c'est le moment de prier. La Bible dit, apportez avec vous des paroles. Ouvre la bouche et parle. Il faut parler. Tu sais, quand quelque chose ne te plaît pas, tu parles. En ce moment-là, tu ne fais pas la bouche. Non, tu parles et tu dis, ah, je n'aime pas ça. Maintenant, Dieu te dit, parle-moi. Il dit, venez et plaidons. Est-ce que tu plaides ton cas maintenant? Est-ce que tu plaides ta cause maintenant? Au lieu de se plaindre de X, de Y, de Z, pourquoi ne pas te plaindre de tes péchés? Pourquoi ne pas dire à Dieu, Dieu, moi-même j'ai failli. Dieu, je ne suis pas dans les normes. Dieu, je me suis attribué un statut que je n'ai pas devant toi. C'est ceux-là qui lui appartiennent. C'est eux qu'il brise. C'est eux qui les mondent. C'est eux qui les transforment. Et c'est à eux maintenant qu'il leur donne la capacité d'interagir avec lui. Est-ce qu'il est possible d'interagir avec l'Esprit de Dieu? De lui parler et de recevoir en retour ce qu'il te dit. Qu'est-ce que tu es en train de prier réellement? Frère, tu pries réellement? Ma soeur, tu pries réellement? Si tu lui appartiens, le domaine précis, c'est ton corps. Est-ce que ton corps est le temple du Saint-Esprit? Ou bien c'est une maison de démons? Jésus dit, quand le mauvais esprit sort, il va dire après, je vais retourner dans ma maison. Mais en ce qui concerne les chrétiens, la Bible dit, leur corps est le temple du Saint-Esprit. Es-tu un temple ou une maison? Est-ce que tu es le temple du Saint-Esprit ou bien la maison, le démon? Ah, il faut parler à Dieu. Il faut être sincère avec Dieu. Il faut dire à Dieu ce qui ne va pas dans ta vie. Si je dis à ta place, je vais saisir cette occasion pour régler certaines des choses qui m'ont perturbé. Le bois d'acacia. Un type de consécration à la vie. Il n'y a nulle part dans l'écriture où il dit oui, si vous êtes à moi, à un moment donné, vous pouvez démissionner et repartir vers le monde. Non, il n'y a pas ça. Nous ne prenons pas de vacances dans notre consécration à Dieu. Nous lui appartenons jusqu'à ce que nous quittons ce monde. Corps, âme et esprit, nous lui appartenons. Jeune sœur, est-ce que tu appartiens à Jésus? Est-ce que ton corps appartient à Jésus? Tu es sûr que tu es en train de prier réellement, ma soeur? Tu pries réellement? Quand tu as quelque chose à cœur, la manière dont tu fais le débat avec tes copines là, si aujourd'hui Jésus te dit, ma fille, c'est la dernière occasion que je te donne de régler ce problème avec moi, comment vas-tu prier en ce moment? Si Jésus te dit, c'est la dernière fois que tu as écouté la parole de Dieu, règle ta vie maintenant. Comment prieras-tu? Comment prieras-tu?